indiscutablement, le CAD-PAC CERN nous protège beaucoup plus que la protection autonome. Une protection autonome ne va pas protéger le crâne, le visage finalement. Même les lunettes de radioprotection laissent les radiations passer discrètement par les côtés ou par-dessous ou par-dessus. Lorsque l'on a le tablier plombé, nos bras sont apparents, nos mains, la peau, nos jambes le plus souvent. La radioprotection qu'on obtient aujourd'hui avec la cabine CAD-PAC, c'est quasiment, quand on regarde nos dosimètres, on a l'impression de ne plus prendre de rayons. C'est très important pour nous lorsqu'on fait des procédures où le tube est tourné de façon à ce qu'il soit, l'émetteur finalement est près de nous, auprès de nos jambes, ou en profil sur certaines procédures très proches de notre corps, on se retrouve finalement caché totalement de cette émission de rayons X. Et sur des procédures qui peuvent être longues, l'avantage de cette cabine, on va dire, c'est vraiment de nous exclure de l'espace où règne l'irradiation potentielle. On peut dire que très rapidement, l'équipe s'est emparée du système. On l'utilise pour à peu près toutes les procédures, mais plus particulièrement sur les procédures longues et irradiantes que peuvent être les procédures de revalvulation pulmonaire aortique ou de réparation de la valve mitrale. Mais finalement, sa conception le rend utilisable pour toutes les autres procédures, coronarographie, angioplastie, qui finalement, même si elles représentent des procédures souvent courtes, sont des procédures relativement irradiantes. Le CAD-PAC CERN est utilisé dans une de nos salles pendant toute la journée. Donc, je pense qu'il y a au moins 8 à 10 procédures qui sont réalisées par jour avec le CAD-PAC. On peut retirer le CAD-PAC assez aisément du patient. Finalement, nous, en cardiologie interventionnelle, notre risque, c'est un trouble du rythme ventriculaire qui conduira à un arrêt circulatoire. Et dans ces moments-là, on a besoin de pouvoir être vite sur le patient, pouvoir vite faire les gestes. Donc, pour nous, le principe de l'appareillage de radioprotection optimal, mais qu'on peut retirer rapidement si on a une réanimation à réaliser, est essentiel. Je dirais, c'est ça pour moi la sécurité face à l'urgence absolue de l'arrêt circulatoire. On a senti un besoin et une réponse au besoin par ce système.